Anaïs, l'église du Christ t'accueille avec joie. En son nom, je te masse de la croix, le signe du Christ notre Sauveur. Amen. Thierry, l'église du Christ t'accueille avec joie. En son nom, je te marque de la croix, le signe du Christ, notre Sauveur. Amen. Ma main et ma mère. Vous vous appelez ? Entrez dans la maison des dieux. Ensemble, frères et sœurs, préparons-nous à rendre grâce au Seigneur en lui demandant de bénir cette eau. Nous allons en être aspergés en souvenir de notre baptême. Que Dieu nous garde à l'esprit que nous avons reçu. Dieu éternel et tout-puissant, tu as donné aux hommes l'eau qui fait vivre et les purifie. Tu veux aussi qu'elles puissent laver nos âmes et nous apporter le don de la vie éternelle. Daigne bénir cette eau. Pour que nous en recevions des forces en ce jour qui t'est consacré par cette eau, renouvelle en nous la source vive de ta grâce. Défends-nous contre tout mal de l'âme et du corps. Nous pourrons alors nous approcher de toi avec un cœur pur et profiter pleinement du salut que tu nous donnes par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada.
baptême proclamé par Jean, Jésus de Nazareth. Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous, nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi, juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur. Selon le vœu de l'Église. C'est ça votre mission première, c'est ça votre responsabilité. Frères et sœurs, nous vivons dans un monde très bouleversé, un monde inquiétant. Sur le plan socio-politique, notre monde est mis à l'épreuve. La course à l'armement est liée par rapport aux besoins sociaux et au bien-être des populations. En écoutant ou en lisant l'actualité, ce sont des événements qui veulent nous faire peur, nous angoisser. La corruption, la tuerie, les bombardements, les attentats, les guerres, menaces nucléaires, le chômage et j'en passe. Notre monde s'est mis à l'épreuve. En dépit de tout cela, nous devons garder confiance, car le Christ, par sa mort et sa résurrection, nous invite à garder l'espérance dans l'épreuve, à être des porteurs de joie et d'espérance, des artisans d'amour et de paix dans un monde qui va à contre-sens. Frères et sœurs, Jésus a connu la mort et est ressuscité pour que nous soyons dans la joie. La joie d'être sauvé, la joie d'être affranchi de la mort, la joie d'espérer le bonheur à venir. Ne nous laissons pas éteindre en nous ce terrain de joie que le Christ nous a donné par sa résurrection. Au matin du premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau alors qu'il faisait encore sombre dans la boîte évangile. Il faisait sombre dans la nature, mais aussi dans les cœurs de Marie, ainsi que celui des apôtres. Car ils avaient suivi Jésus pendant environ 3 ans. Ils avaient été témoins de ses paroles de vérité, accompagnés de signes, porteurs de joie et d'espérance.
Ils avaient mis tout leur amour, toute leur confiance, leur espérance en lui. Ils croyaient qu'il était le sauveur, le libérateur d'Israël. Et voilà que tout s'est arrêté au soir du vendredi saint. Jésus venait d'être arrêté, outragé, condamné et mis à mort sur une croix. C'était la fin d'une belle aventure. La mort de Jésus les a éprouvés au plus profond d'eux-mêmes. Frères et sœurs, nous aussi, il fait souvent sombre dans notre vie, dans notre cœur. Comment ne pas penser à ceux et celles qui ont tout perdu à cause de la guerre? Comment ne pas penser à des hommes et des femmes qui se voient forcés de quitter leur ville, leur pays, sous menace de la mort? Comment ne pas penser à ceux et celles qui vivent dans la plus grande précarité et n'ont pas de quoi à se nourrir? Comment ne pas penser à ceux et celles qui n'ont pas un endroit pour reposer leur tête? Nous pouvons imaginer un autre scénario de ce type. Quand tout va mal, on dit souvent que cela ne sert à rien de continuer à vivre, qu'on a envie de jeter l'éponge. Et pourtant, il faut avoir la force dans la souffrance. Quand tout va mal, osons regarder le Christ crucifié. Dans cette autre idée, l'apôtre Paul invite aux Colossiens et à chacun de nous ce matin à se transcender, à nous laisser transcender. Recherchez donc la réalité d'en haut. C'est là qu'est le Christ assis à la droite de Dieu. Tendez vers la réalité d'en haut et non pas vers celle de la terre. N'a retenu qu'une seule solution, la plus dramatique. On a enlevé les corps du Seigneur. Jésus n'est plus là. Il a confié sa détresse aux disciples et eux aussi courent vers le tombeau. Et les gens arrivent au tombeau de l'évangile. Ils voient des choses que Marie n'a pas vues. À l'intérieur du tombeau vide, Pierre scrute les lieux. Ils cherchent à comprendre. Le linge seul est là. Le linge recouvrant la tête est bien fini. Tout porte à croire qu'ils sont devenus inutiles. Mais il reste lui aussi, pour le moment, en deçà de l'acte de la foi. Le foi était mis à l'épreuve. Pour Jean, c'est différent. Les choses vont plus vite. Il a vu la même chose que Pierre, certes, mais le disciple que Jésus aimait a instinctivement remplacé la scène dans le cadre des Écritures. Christ est ressuscité des morts, il est vraiment ressuscité. Amen. Et si vous prenez la responsabilité de les aider, je vous invite maintenant, en vous rappelant votre baptême, à renoncer au péché et à proclamer la foi en Jésus-Christ, la foi de l'Église dans laquelle tout enfant est baptisé. Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion,
a été enseveli et ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père. Oui, nous croyons. La résurrection de la chair et à la vie éternelle. Oui, nous croyons. Oui, nous croyons. Telle est la foi, telle est notre foi, telle est la foi de l'Église que nous sommes fiers de proclamer dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Nos frères et sœurs en humanité, aujourd'hui particulièrement Bastien, Alicia, Canaïs, Zénatalia, Thierry Robert. En ce matin de Pâques, prions pour toute l'Église qui proclame le Christ ressuscité. Que cette joie de croire en la vie de chaque baptisé devienne acte authentique au service notamment des nécessiteux. Seigneur, nous te prions. En ce matin de Pâques, prions pour les gouvernants qui luttent pour faire avancer les peuples vers plus de justice et de paix, qu'ils adoptent toutes les mesures nécessaires pour protéger la vie humaine, que ta victoire sur la mort soit pour eux source d'espérance et de courage. Seigneur, nous te prions. Exauce ton peuple, Seigneur ressuscité. En ce matin de Pâques, prions pour nos frères et sœurs malades, pour tous ceux qui souffrent, ceux qui se trouvent sur le bord de la route, sans famille, sans travail, sans abri. Seigneur, nous te prions. Exauce ton peuple, Seigneur ressuscité. En ce matin de Pâques, prions pour notre assemblée, pour tous ceux qui sont présents dans notre cœur. Prions pour que Alicia, Bastien, Tanaïs, Zénatalia, Thierry Robert et tous les nouveaux baptisés de Pâques trouvent joie et soutien au sein de la communauté chrétienne tout au long de leur vie, de leur chemin de vie et de foi. Que nous soyons tous comme les disciples des témoins de la vie qui jaillit du tombeau. Seigneur, nous te prions. Exauce ton peuple, Seigneur ressuscité. Prions encore le Seigneur. Père, Seigneur du ciel et de la terre, entends la prière que nous te confions en ce matin de Pâques. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Que ces jeunes, ces enfants qui vont recevoir la croix du Christ, je vais leur imposer la main. Que la force du Christ te fortifie, le nom du Sauveur et qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la force du Christ te fortifie, lui qui est le Sauveur et qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la force du Christ te fortifie, lui qui est le Sauveur et qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Ephata, ouvre-toi. Le Seigneur Jésus a fait entendre les sourds et parler les muets, qu'il te donne d'écouter sa parole et de proclamer la foi pour la louange et la gloire de Dieu le Père. Amen. Ephata, ouvre-toi. Le Seigneur Jésus a fait entendre les sourds et parler les muets, qu'il te donne d'écouter sa parole et proclamer la louange
et proclamer la foi pour la gloire et la louange de Dieu le Père. Amen. Ephata, ouvre-toi. Le Seigneur Jésus a fait entendre les sourds et parler les muets. Qu'il te donne d'écouter sa parole et proclamer la foi pour la louange et la gloire de Dieu le Père. Amen. Ephata, ouvre-toi. Le Seigneur Jésus a fait entendre les sourds et parler les muets. Qu'il te donne d'écouter sa parole et proclamer la foi pour la louange et la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. Ensemble, j'invite Adam et tu baptisé par le mal pour s'approcher de le baptiser. Un seul Seigneur, une seule foi. Père du puissant, notre Créateur et notre Dieu, tu nous donnes l'eau qui purifie et qui fait vivre. Béni sois-tu. Béni sois-tu, Fils unique du Père, Jésus-Christ, notre Dieu, pour que naisse l'Église dans le mystère de ta mort et de ta résurrection. Tu laisses couler de ton côté ouvert l'eau et le sang. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Esprit Saint, notre Dieu, pour que nous soyons tous baptisés en toi. Tu as consacré Jésus quand il fut baptisé dans les eaux du Jourdain. Béni sois-tu, Seigneur. Ces enfants aujourd'hui présentés au baptême dans la foi de l'Église, par le mystère de cette eau consacrée, fais-les renaître de l'Esprit Saint, pour qu'ils vivent de la vie éternelle. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vais m'adresser à vous, parents. Voulez-vous que vos enfants soient baptisés dans cette foi de l'Église que tous ensemble nous venons d'exprimer? Oui. Bastien, veux-tu baptiser dans cette foi de l'Église que tous ensemble nous venons d'exprimer? Thierry Robert, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Natalia. Natalia. C'est Natalia. Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Thierry Robert, Alicia, Tanaïs, c'est Natalia, vous êtes maintenant baptisés. Le Dieu Tout-Puissant, Père de Jésus le Christ, notre Seigneur, vous a libérés du péché et vous a fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint.
Désormais, vous faites partie de son peuple. Vous êtes membre du corps du Christ. Et vous participez à sa dignité de prêtre, de prophète et de roi. Dieu vous marque de l'huile du salut afin que vous demeuriez dans le Christ pour la vie éternelle. Amen. Témoin du Dieu d'amour en notre temps. Saint Paul déclare aux chrétiens, vous tous qui avez été baptisés dans le Christ, vous avez revêtu le Christ. Revêtir le Christ, c'est ce que signifie la remise d'un vêtement blanc au nouveau baptisé. Ce vêtement est blanc comme celui du Christ en sa transfiguration et comme celui des élus dans le ciel selon l'Apocalypse. J'invite les marraines à revêtir le fiel du vêtement blanc. Oui, un peu tendu. Bastien, Thierry Robert, Tanaïs, Alicia. Zénatalia, vous êtes une création nouvelle dans le Christ. Vous avez revêtu le Christ. Ce vêtement blanc en est le signe que vos parents, parrains et marraines, vos amis vous aident par leur parole et leur exemple à garder intacte la dignité des fils de Dieu pour la vie éternelle. Selon la chair,
notre Seigneur Jésus-Christ, par lui que tu as élevé à ta droite, tu es notre Père, nous le prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Et mangez en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Thank you.
Déjà les sacrements de la Pâque nous ont régénérés en nous obtenant ton pardon, en nous faisant communier à ta vie. Nous t'en prions, donne-nous d'entrer dans la lumière de la résurrection par Jésus le Christ, notre Seigneur. Thank you.
Parisienne, bolingo nanga
sens unique. Lobo kwesa disaka nzoto tango iso. Ezela tamele si ya pamba rezoa te. Ingratitude na la moulou koulou. Otite tambwe na lens et fonctionna. Atakonga lobo kwe nzoto. Nakole mbayote bobo tonanga. Izali loko la ya zolo. Eko boya kamo pepete ata ekumbela ye. Mungindidi tope poussière nasi na zuwa vaccin contre infidélité. Ne t'en fais pas scellé. Eric Lalu Yaya Ravis Robert. Yo mona wapi basoso mi bale. Bavandela makimoko mkuratu. Neke atake nobembo la tungo. Kase azonge la zalana ye. Banda a décidé aboto langa fambano. Abo sanite azali kusala eteri. Ne me touche pas avec l'amour. Mingi bambete la pona mabala ya bato. Et pourtant chance alibala pona moto nyonso. Wilco Frek. Henriette Massamouna monte mais c'est le bambal. Clément Moubengaï, Kale Kabasele, Alberto Kalamba Poilou, mais moi. Bolingo Yangana Ezalo Kolali Kalamodo, Lula Benami Soka Sikome Kako Simbate, Yanga Zika. Le distributeur automatique de fond sans plafond est Dimbamba. Bolingo yanga na yeza lokola likala moto. Lula benami soka si komeka kosimbate. Yanga zika. Akaba fingi toba ini tope baseki. Matanga mula tako minene zo kisakate. Nyanga pamba yanga. Merci d'être là pour nos enfants. Tanaïs, Thierry Robert et Zena. Merci parce que c'est pas donné à tout le monde. Merci parce que je répéterai toujours. Merci parce que je ne raterai jamais de vous remercier. Et donc, il y a les buffets qui est là pour tout le monde. Ah, elle est là. Tanaïs. Lani. Zena. Et Thierry Junior, si on peut les applaudir, s'il vous plaît. C'est à cause d'eux qu'on est là, que ce n'est plus là en fait. Et dans les mêmes circonstances, il y a à manger, tout ce qui est prévu pour nous, la famille, Monsieur Thierry et Madame Thierry, notamment Titiane Mafuta. Ils ont prévu des trucs pour nous. Donc, on va profiter de l'occasion pour manger. Vous savez que vous avez tous les programmes. Merci beaucoup pour votre présence. La famille vous remercie. La famille vous remercie. Quand tu m'embêtes, il veut dire quelque chose. Ok. Quand tu diras après. Je passe en fait, je passe la parole aux parents qui sont là présents, qui vont nous dire quelque chose de la part. Merci. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Moi, je tiens seulement à dire merci à toutes les personnes qui ont contribué à cette fête. Et de loin ou de près, il y a des jeunes dans l'ombre aussi.
Et je remercie particulièrement les parrains et marraines qui ont contribué à cette fête. Et merci à toutes les personnes dont on a passé les noms et ils savent comment ils ont contribué pour la réussite de cette soirée. Et je vous souhaite à tout le monde bonne fête et toutes les bonnes choses. La fête se passe dans une très bonne condition. Et je remercie une fois de plus tout le monde pour votre présence. Merci. Et merci. C'est bon. Maman Titi va dire un mot très important. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Merci de votre présence. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est les baptêmes des enfants. Mais c'est aussi l'anniversaire de Zéna. Et Clarisse, une de ma reine. Et par la même occasion, on profite aussi pour souhaiter aux autres enfants un joyeux anniversaire, notamment Maroli, Kétalaïs et tout le monde. Bonne soirée et bonne fête à tout le monde. Merci. Jean-Paul Nkondo, Lina Travel Mokili Mobimba. Il sera pour l'endosser.
au-delà de la souffrance. Yaya Nadaka, la lueur du crépuscule. Mi corazón, Yote. Oyebi ke bato balela nzala baswama misapi na libulu ya nyoka mpo na koluka likelele.
pasi mpe konyoko longa yo mikoti kobimelanga na mandoto kobalola mbeli na mpota oyakala yo wana ndeke ata botama jour a mvula akobima mapapu un jour akobimwa petit palmi ate botama na ye esobe ekokola mpe kobima banjour sende miko atandele aduelenga yemba vide otie na motema ekotonda kaka ye miko yo 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 jino okana miko yo 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 miko yo 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 rikaso miko yo 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 miko yo 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 mimi dispia miko yo 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 Thank you.
Pour ceux qui ont raté les tableaux, qui peuvent passer en même temps. Pour ceux qui ont raté les cadeaux. Pour ceux qui ont raté les Je vous remercie.
Président Udonis, PDG, Oyama, Fils,